Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien, c'est Histoire d'une heure. Si vous voulez savoir, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui, surtout que nous parlerons des choses qui vont nous aider. Si vous ne savez pas, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, et nous aimerons partager de bonnes choses avec vous. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, et que Dieu vous aide à surmonter tous les soucis de la vie. Et tout ce que le diable pose sur vous comme des pièges. Nous sommes une autre bonne et c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous vous montrerons les pièges les plus utilisés par le diable. On a regroupé en trois, peut-être plus. Ce que vous devez savoir, ce que le diable utilise. En premier lieu, la télévision. Il utilise également Internet. Et il utilise même les églises pour pouvoir emprisonner les gens ou pour pouvoir mettre les gens dans les problèmes. Ce qui est sûr, vous allez comprendre tout de suite avec les images que nous allons vous présenter. Comment le démon se présente aux gens, comment le démon rentre dans la vie des gens, juste au travers de ces choses, nous essaierons de découvrir ici. Regardez ça. Ouh, c'est extraordinaire! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une télécommande. Et on voit une télévision, un écran. Et à la télévision, on peut regarder tout. Les feuilletons, encore des feuilletons, de nouveaux personnages qui apparaissent en longueur de journée et on s'amuse. Voilà, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas de mal quand même à regarder la télévision. Mais le problème va venir où? Les gens vont commencer à vous amener à voir tous les jeux de votre vie, des symboles occultes. Là, les gens vont utiliser la magie ou la sorcellerie pour venir mélanger à ce qu'ils sont en train de faire et vous les présenter, même vous amener à les représenter aussi, même à vous identifier à cela, comme ce que vous voyez même ici. Ça a l'air simple, mais c'est très répandu aujourd'hui. Regardez ça. Ça, on a découvert que ça forme 666 avec le même. Or, 666, c'est censé être la marque de la bête. Ou encore la marque du diable. Et l'enfant, lui, ne sait pas ça. Il ne sait pas exactement ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc, puisqu'il ne connaît pas le signe, lui aussi, pour rigoler, il va faire ça en se prenant en photo avec quelqu'un. C'est possible. Et quand on va plus loin, ça se passe. Je vous pose des questions. C'est encore un autre signe que tout le monde connaît. Quand on se cache un œil, l'œil qui est ouvert est là juste pour nous montrer ce all seeing eye. En français, l'œil qui voit tout. On dit que c'est un œil luciférien. On dit que ça vient du diable. Et tout ce qui représente ça, il montre leur appartenance à Lucifer, l'ange de lumière. Tout ça à la télévision, tout ça à la télévision. Et on apprend aux gens aussi à mal s'habiller. Comme vous le voyez, c'est réel. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est à la télévision, on voit ça la plupart du temps. Les gens ne vous enseigneront pas à la télévision comment est-ce qu'on doit passer par la dot, se marier avant d'avoir les rapports sexuels. Hein? Ils ne vous diront jamais ça. Ils vous diront des choses qui vont vous conduire dans les problèmes. Faites vraiment très attention. C'est pourquoi la télévision devient un moyen très utilisé par le diable. Et le diable communique au travers de la télévision aux gens du monde entier. On a même appris dans des témoignages puissants que certains démons sortent de la télévision. Et les gens, quand ils sont aussi devant la télévision, ils tombent sur des feuilletons bizarres, même des films bizarres, des films d'horreur, où on passe le temps à tuer les gens, le sang coule par-ci et par-là. Mes frères et sœurs, faites attention aux films d'horreur parce que là, ça vous met en contact même avec les démons.
Et puis, faites attention aux films pornographiques. Même les scènes pornographiques qui ont lieu dans les feuilletons. Même dans les films. Il faut vraiment faire très attention à cela. Il y a plein d'enfants au contact de la télévision, même de ces choses que nous sommes en train de vous présenter ici, ont vu ça. Ils ont juste vu ça. Et depuis qu'ils ont vu ça, leur conscience est traumatisée, l'esprit est traumatisé. C'est là l'enfant commence à se masturber. Ses résultats scolaires ne sont plus les mêmes parce que la télévision, il a vu un truc. C'est pourquoi nous avons positionné la télévision en première position, parmi les choses que le diable utilise pour combattre les gens. Ça veut dire que les pièges du diable sont déjà sur vous. Et quand on va plus loin, on voit qu'effectivement, c'est pas de la blague. Dans un dessin animé, on parle des sorcières. On parle également des sirènes. Une sorcière qui va communiquer avec une sirène et ils vont aller rentrer en contact. Cette sirène va rentrer en contact avec un humain qu'elle va essayer de séduire. Et nous savons tous que la sorcellerie, c'est une mauvaise affaire. Mais personne ne vous dira que la sorcellerie, c'est une mauvaise affaire. Ils vous présenteront toujours la sorcellerie comme quelque chose d'extraordinaire. Même la magie, l'occultisme, tout ça maintenant, ça s'apprend dans la télévision, même dans les dessins animés. Ça s'apprend là-bas maintenant, il faut faire très très attention. C'est pourquoi nous parlons de cela. Et regardez ça. Voici des dessins animés qui sont sortis. Où on voit des 666 représentés à chaque fois là. Et 666, nous savons que c'est la magie du diable. Et c'était juste représenté comme ce rond qui se trouve même ici. Mais personne ne pouvait savoir que c'était vraiment 666. Ce sont les gens qui connaissent, qui ont la connaissance de la chose, qui nous ont révélé cela avec plusieurs décryptages. Regardez ça. Des gens qui collaborent avec des démons. Des démons sont tentés d'être adorés, même présentés. Des démons deviennent des stars dans les dessins animés. Même dans les jeux vidéo. Qui parle des dessins animés, parle également des jeux vidéo. Parce que ce sont les mêmes personnes qui les réutilisent dans les jeux vidéo. Et c'est ça. Voici comment les gens commencent à aimer les démons. Ils commencent à apprécier le démon comme ça. Et les démons deviennent leurs amis. Et ça, c'est pas du tout une bonne affaire. Comme vous le voyez, il y a aussi Internet, il y a les ordinateurs. Ordinateur, quand on parle d'ordinateur, on parle également d'Internet. Les gens vont sur Internet pour faire les mêmes choses que ce qu'on fait à la télévision. Quel est l'élément? Regarder les films pornographiques souvent, échanger avec les gens sur les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, ce que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est de s'insulter. Ils racontent de n'importe quoi. Les réseaux sociaux sont devenus maintenant les lieux où les gens viennent pour raconter des histoires, même pour se faire voir. Et ils sont prêts à tout pour ça. Faites attention. On se prend en photo. C'est normal. Il n'y a rien de mal à se prendre en photo. Mais le problème, c'est que les démons sont sur les réseaux sociaux. Et quand les démons viennent sur les réseaux sociaux, eux, ils collectent vos informations, nos informations. Quelle était ta tirée en photo? Dans quelle était ton humeur? Eux, ils vont bien t'analyser pour bien te combattre. Regardez la sensualité. Regardez comment ses lèvres sont si jolies, entre guillemets. Et regardez ça. Une personne qui va voir ça tout de suite, like. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont liker sont en train de la soutenir dans cette voie-là. Or, on a dit ici que le rouge à lèvres sont censés être mauvais. Regardez les vidéos précédentes pour savoir plus. Et il y a l'église, on le dit, les temples, l'église. Vous dites que vous allez à l'église, mais vous allez dans un problème. Au lieu de trouver la solution là-bas, ce sont les problèmes que vous allez rencontrer. Parce que sur la terre, il y a les églises du diable, les églises de Satan qui existent. Et là-bas, vous verrez même des crânes humains. Les gens vont donner des bises aux crânes humains, des adorations, des cultes, des rituels, des cérémonies ou des faux de démons en plein culte. Le même dimanche, ils invoquent des démons. Il y a même des statues
Or Dieu lui-même dans sa parole nous a dit qu'il n'est pas nous prosterner devant les statues. Mais les gens se prosternent devant les statues. Et c'est juste qu'il y a rien. L'église est devenue un lieu terrible aujourd'hui. Et l'église évangélique est en train de se multiplier. Les faux pasteurs naissent. Vous ne pouvez même pas savoir quels sont les faux. Mais la plupart du temps, on parle de eux à prospérité. Nous tous, on veut réussir, on veut être prospère. Mais quand on commence pas par la base, on ne parle pas des choses qu'il faut. Là, on se perd. Il faut quand même prendre le temps de dire aux gens que Jésus-Christ est le chemin. Le chemin que nous tous, nous devons suivre. Et le Seigneur Jésus-Christ nous demande vraiment d'être prudent dans ce temps-ci. Il faut être vraiment prudent, mais plus prudent que prudent. Regardez la fille, elle est jolie. En plus, elle est prudente, elle met sa ceinture de sécurité. Mes frères et sœurs, elle met sa ceinture de sécurité. Oh, elle est jolie d'air. Ça, c'est la belle créature de Dieu. Il me semble qu'elle est dans la naturelle. En plus, elle est dans la naturelle. Regardez comment elle est jolie. Aïe, 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 aïe. Bon, vous devez comprendre que vous devez être prudent. Voilà, et vous devez avoir les yeux grandement ouverts. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir les pièges du diable qui se trouvent à la télévision. Aujourd'hui, quand le maman regarde la télévision à son enfant et qu'elle voit deux personnes qui vont s'embrasser, elle est là. Ah, mon fils, ferme tes yeux! Ah, mon fils, ferme tes yeux! Mais après, tu sais ce qui va se passer. Tu vas aller regarder ce que tu ne lui as pas permis de voir quand tu étais là. Ha! Soyez vraiment prudents et très éveillés. Que les parents veillent de plus en plus sur nos enfants. Parce que tout se trouve entre nos mains. Entre nos mains. Elle doit bien tenir le volant. Et le volant aujourd'hui, là, c'est Jésus-Christ. Et tu dois bien tenir le vêtement de Jésus-Christ. Tu dois bien t'accrocher à Dieu. Parce que la vie et la mort se tiennent entre tes mains. Fais ton choix. Sois prudente. Nous tous nous sommes dans un cas. Un cas extraordinaire. Et ce cas-là, c'est le monde entier. Mais dans ce cas-là, il y a des places qui ne sont pas de bonnes places. Il faut faire ton choix. Parce que c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Jésus revient bientôt. Pour chercher les croyants. C'est-à-dire ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois à tout ce que nous sommes en train de te dire? Mon frère, ma soeur, tu dois croire. Jésus revient bientôt. Et c'est maintenant que tu dois l'accepter à ta vie. Abonne-toi, si tu es ce bon. Si tu es ce bon, va sur la page d'accueil, abonne-toi sur notre page de chaîne. Et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Waouh! Et sois vraiment, vraiment prudent, 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 prudent. Je suis le seul et je suis aïe, bon, regardez même ici. Elle est la naturelle, hein. Elle est la naturelle, tranquille. Mais elle est hors du commun. Il faut mettre la certitude de sécurité, toujours. C'est très important. Regardez-moi ça. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire. Et cliquer sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via WSLM. Waouh! Merci beaucoup.